La princesse au visage de nuit, de quoi ça parle? La princesse au visage de nuit, ça raconte plusieurs histoires. La première, c'est une légende qui dit que dans une forêt vit la princesse au visage de nuit, le fantôme d'une petite fille morte, et qui exauce les vœux des enfants qui sont suffisamment malheureux pour venir la voir. 20 ans avant le début du roman, un garçon est allé dans la forêt pour essayer de la trouver avec deux de ses amis. Et il en est ressorti tout seul. Il n'a jamais revu ses amis. Et étant maltraité par ses parents, il a été placé, a quitté son village et n'y a jamais retourné. Sauf que 20 ans plus tard, quand démarre le roman, il apprend que, il a grandi déjà évidemment, et il apprend que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Et du coup, il va retourner dans le village de son enfance pour l'enterrement. Et ça va être le début d'une longue histoire dans laquelle Hugo va replonger dans son passé. Il va essayer de comprendre ce qui a pu arriver à ses amis et à lui, 20 ans avant, parce qu'il a tout oublié, parce que d'étranges événements se produisent à nouveau. Il entend une sorte de prénom dans le vent, il y a des lucioles partout qui semblent le suivre, comme si, comme le dit d'ailleurs la sorcière du village, comme si la princesse au visage de nuit était de retour comme Hugo.